C'est toi, te voilà un petit frère, tu ne connais rien en communication. Allez vous former. Et mon petit Franco, je n'ai rien contre toi, tu es un enfant, je n'ai rien à co- je vous poser quoi avec toi, petit frère. Tu as vu que les commentaires vont en ma faveur, non? Nous, on lit. Quand tu commences, quand tu fais une vidéo, les gens prennent, ils envoient. Grand, voilà ce que Franco a dit. C'est parce que je pense que tu as encore un moins de famille. Tu as encore ce sentiment-là pour la famille. Mais je te vois sur les traces de Steve Farr. Je te vois sur les traces de Steve Farr. Et tu sais, dans la vie, le diable copte une personne. Il fait de cette personne un spécimen. Et le spécimen là passe son temps à éblouir les autres petits complexes qui vont venir. Et ils n'auront pas la chance de durer. On va les sacrifier. Le spécimen va durer pour un temps. Mais un temps, il va disparaître. Je sais, vous êtes nombreux à voir quelqu'un qui fait le même métier que vous, colleur de vidéo, voilà, il a la faniente. Demandez-lui d'abord que ce... Lui, il a conçu la faniente. Il habite où? Ça, ce sont des succès spontanés. Ce sont des succès, on appelle ça des succès spontanés. Je vis dans un quartier où il y a les milliardaires. Je suis le pauvre. Je suis un pauvre. Mais j'ai eu la chance à l'époque. Quand je suis rentré au Cameroun, j'ai acheté mon terrain ici. Là. Je vis dans un quartier où il y a les milliardaires. Ces milliardaires-là, d'abord, ils ont leur maison. Ils ont leur maison. Nous sommes en Afrique. L'Africain, la majorité des temps, ne peut pas construire un grand truc s'il n'a même pas sa part d'appartement quelque part. Mais ils sont nombreux là. Ils n'ont pas de maison. C'est on te dit qu'ils habitent encore dans un studio, dans leur maison. Donc méfions-nous. Il y a là le concept de prête-nom au Cameroun, le prête-nom en Afrique. Et c'est beaucoup là. Tu vois quelqu'un, c'est son nom, ça porte son nom. Mais il a signé des accords quelque part que tu ne peux même pas imaginer. C'est ça qui lui donne droit à ce qu'on dit que non, c'est sa maison. Mais en réalité, ce n'est pas sa maison. On ne dit pas qu'il ne peut pas avoir. Mais j'explique aussi. Parfois, tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu penses sa part, mais ce n'est pas sa part. Le titre foncier, c'est pour lui, tout, c'est pour lui. Mais il a signé des accords, les protocoles d'accord. Ça existe chez le notaire. Beaucoup là, les patrons de télévision, ils mangent et tu les vois, ils sont calmes. Toi, tu veux trop parler, vous n'avez pas le don de parler. Voilà que tu mets tes fesses dehors. Donc, tu donnes raison à ceux qui disent que donc, c'est l'argent de l'État. On a financé. Non, j'ai eu 500 millions. 500 millions. Regarde-moi celui-là. En combien d'années que tu fais 3 millions du peuple? Yeah, yeah, là. 500 millions. Ah bon, donc tu ne mangeais pas. Tu gardais seulement. Tu n'as pas une famille. Ah bon, hein? Donc tu ne résous pas les problèmes. Tu gardais seulement. Hey, 500 millions. 500 millions. Tu crois ce qu'il dit? Épargner 500 millions. Parce que je te montre que ton argent, là, ce n'est pas ta part. Ça, c'est pour nous. J'ai déjà choisi la réception. Parce que c'est là où tout le monde va passer. Hein, pour aller là où il veut. La réception, c'est ma part. La faniente est là. Le moment venu. J'ai 1000 mètres carrés de côté. Là, je vais construire ma petite maison. Voilà. Tout le monde va payer la taxe que chez moi. Donc, que chacun vienne choisir sa parcelle. Je vais prendre que la réception, là. Quand tu joues un mauvais jeu, tu es jeune et tu joues un mauvais jeu. D'abord, c'est sûr qu'il a été surpris de te voir à l'ambassade de France. Mais qui dit Cameroun parle de la France. Et c'est normal. Il a été copté. Tu es là comme un indicateur. C'est tout. Parce que le président Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il a à gérer avec toi? Un homme politique, sa page ne le propose que les bons contenus, les contenus politiques qui parlent de la vraie actualité. Qu'est-ce qu'il a à foudre avec tes 3 minutes de peuple, des vidéos des gens que tu voles? Tu as toujours volé la chose des autres. Tu as toujours volé le bonheur des autres. Tu as combien de mes vidéos sur ta page? Tu as combien de mes vidéos sur ta page? Tu m'en as donné 10 000 un jour. Alors qu'en réalité, tu devais souvent récompenser tous ceux-là qui sont acteurs pendant tes tournées-là. C'est-à-dire que les gens que tu as pris leur contenu, tu devais être reconnaissant que bon, à un certain moment, tu les payes les droits d'auteur. Tu allais payer qui un jour? Tu allais payer tous ces gens que tu utilises leur image là pour faire tes histoires là. Pourquoi tu ne fais pas tes propres contenus? Parce que tu n'as rien à servir aux Camerounais. Tu n'as rien à servir aux Camerounais. Tu n'as rien à proposer aux Camerounais. Tu ne peux pas faire un direct une heure de temps. Je suis désolé. Pour ceux qui disent que non, c'est parce qu'il n'a pas de tact. Il n'a rien dans sa tête. C'est des personnes cooptées. On les donne certains avantages. Non, j'étais dans le nozo. J'étais, mais on t'escortait. C'est toi, te voilà un petit frère, tu ne connais rien en communication. Allez vous former. Et mon petit Franco, je n'ai rien contre toi, tu es un enfant. Je n'ai rien à co- je vous poser quoi avec toi, petit frère. Tu as vu que les commentaires vont en ma faveur, non? Nous, on lit. Quand tu fais une vidéo, les gens prennent, ils envoient. Grand, voilà ce que Franco a dit. C'est parce que je pense que tu as encore un moins de famille. Tu as encore ce sentiment-là pour la famille. Mais je te vois sur les traces de Steve Farr. Je te vois sur les traces de Steve Farr. Ok. Moi, je suis juste surpris de ceux-là qui condamnent une femme-là qui fait la voyance sur les réseaux sociaux. Oui, vous passez le temps à l'insulter, elle est montée, elle est descendue. Le cas de celui-ci est plus grave. C'est-à-dire qu'il est plus pire que celle qui fait la voyance là parce que c'est aussi un autre charlatan ici.
Et mais ça paye grave. Oui. Voilà quelqu'un qui fait la voyance sur la vie des gens. Je ne suis pas là pour soutenir Steve Afa. Il ne m'a pas ordonné. Mais je voudrais juste dire, ce monsieur ne connaît rien de la vie de Steve Afa. Il ne sait même pas où Steve Afa vit. Il ne connaît rien de la vie de Steve Afa. Mais il vient vous parler de quelqu'un. Méfiez-vous de Facebook. Vous venez détruire les vies des gens. Oui, je sais que même s'il dit quoi, on va dire que je le soutiens. On n'a rien en commun. Je vous le dis d'abord. Et ce que je voulais vous dire, ce que vous sachez, c'est que je suis allé à la Faniente. Juste par invitation pour venir découvrir la Faniente. On ne m'a pas invité à la Faniente de venir filmer. On n'a rien causé de tout ça. Si vous fallait tellement pas au courant de tout ce que j'ai fait là-bas. J'ai fait ça cadeau comme ça. Comme je peux voir, j'étais chez Malof, j'étais chez Moussik, j'ai fait les images là-bas, j'ai posté. Ils m'ont payé pour faire tout ça. Mon frère, si je vois que toi-même, Banga, tu as ton truc qui est bien, que les gens apprécient, moi je viens là-bas en tant que nous sommes ensemble sur les réseaux sociaux. Je sais pas si je vais t'appeler collègue ou quoi, parce que nous ne sommes pas dans les mêmes couloirs. Bon, oui, mais je vois que tu as fait quelque chose qui est bien. Moi-même, je viens, je fais les images, je poste, c'est tout. Mon frère, si tu ne m'avais jamais indexé dans tes histoires-là, je ne vais jamais te répondre, te parler. Parce que derrière même, c'est quand tu as commencé, les gens m'ont tagué sur ta page, ils sont venus voir que tu as même suivre, télécharger ton direct, suivre, que tu vois la page où tu as parlé de moi. Même la deuxième vidéo aussi, on m'a toujours tagué, ils sont venus voir. Donc, tu m'appelles petit, c'est bien. Est-ce que toi-même, tu juges que tu es grand? Je m'interroge. Tu dis qu'on passe autant à m'envoyer. Quand je fais une vidéo, on m'envoie que ton petit, voilà ce qu'il a dit de toi. Pourtant, tu es sur ma page, voilà ton commentaire. Tu dors sur mes pages, tu suis tous mes contenus. Tu fais semblant que tu es trop grand. C'est toi qui fais tes directs chaque jour. Voilà ce que tu postes. Et soutenez la page. Vous dites que quelqu'un est riche, quelqu'un est bien. Il vous demande de le soutenir encore pour faire quoi? Vous avez vu un jour demander dans mes vidéos, j'ai fait ma vidéo, j'ai dit que soutenez-moi. Quand j'ai une situation, si j'ai une situation, peut-être un deuil ou bien j'ai besoin du soutien, je peux faire une petite vidéo, je demande le soutien, c'est tout. Mais à une circonstance, je ne fais pas mes vidéos tous les jours, je ne suis pas mendiant. Je suis l'un des gars au Cameroun qui impose son respect. Je ne prends jamais mon téléphone, je crée des problèmes comme les autres font là. Appelle les gens à la diaspora que voilà ma situation, voilà mon enfant qui chauffe. Pardon, je veux 100 francs, je veux 1000 francs. Je ne fais jamais ça dans ma vie, j'impose le respect. Je suis un bâtard, je suis un travailleur. Tu connais rien de ma vie. Voilà quelqu'un vous demandait de suivre ses conseils. Quel conseil? Quelqu'un qui est tout simplement haineux, jaloux du succès de l'autre. Tu as déjà pris les biens de quelqu'un, la souffrance de quelqu'un, tu as fait les partages. Juste ça prend ta part 1000 mètres et dit que les autres vont venir partager le reste de 4000 mètres. Mon frère, soyons sérieux à un moment donné. Tu es suivi. Mais quand tu fais des messages de haine chaque jour, allez vous former en communication, allez vous former. Que tu penses que tu communiques trop bien? Tu communiques trop bien, n'est-ce pas? Pourquoi tu n'es pas le ministre de la communication au Cameroun? Ou bien pourquoi tu n'es pas le communicateur de la diaspora? Comme tu communiques trop bien. Mon frère, les gens sont calmes dans leur coin, vous venez les provoquer. Après, vous faites des trucs, demandez. Voilà même un commentaire qui vient m'encore. Franco, donne ma part sur l'argent de la monétisation. grand frère, je sais que tu me dépasses en âge. Mais je t'ai dit, comme il dit en commentaire là, si tu es un problème de coutume grand, je ne suis pas un lieu sacré. Va au village, fais tes rites, va faire tes coutumes au village, pardon. Je t'offre un téléphone, appelle-moi ou écris-moi, je t'offre un téléphone. Même si tu es milliardaire, je t'offre un téléphone. C'est ce que moi je te dis encore là. À la prochaine fois, comme tu sors toujours, si tu ne cours pas pour aller où il y a un peu la lumière du jour, pour faire tes vidéos, même jusqu'à là, l'image est toujours con. Tu cherches des endroits pour avoir un peu d'image qui ressemble à quelque chose, c'est toujours bête. Mais il te faut un bon téléphone. Moi, je suis prêt à t'offrir un bon téléphone. Tu me contactes tout simplement. Je te donne le téléphone. Merci de partager la vidéo. Continue tes vidéos en faisant croire aux gens que Franco est une mauvaise personne. Il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de chacun de nous. Comme toi, tu veux faire croire aux gens que tu es trop bien. Le gars fait les vidéos pour compter sur les commentaires. Type, tu ne connais rien de méta. Hein. De toutes les façons, un jour, tu vas comprendre qui est le petit Franco aussi. C'est un dangereux. Eh bon type. Moi, j'ai beaucoup de choses à t'apprendre sur les réseaux sociaux. Tu crois que tu connais beaucoup. Mais quand je t'entends parler, je comprends qu'il y a beaucoup de choses que tu ne connais pas. Merci de partager la vidéo, les amis. C'était le général Franco. Je vous love. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.